وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني إخوتي من النار. كما يعلم الجميع، في يوم من الأيام سنلقى الله سبحانه وتعالى، وكل واحد منا سيلقى الله سبحانه وتعالى على ما عمل في هذه الحياة الدنيا. Un jour, chacun d'entre nous va quitter la vie de ce monde. Ça, c'est une certitude. Mais ce soir, ليس أننا سنلقى الله سبحانه وتعالى فقط، ولكن كيف سنلقى الله سبحانه وتعالى. La question qu'on doit se poser, c'est pas que un jour on va rendre là-bas Allah et c'est tout. Comment je vais rencontrer Allah سبحانه وتعالى؟ هل سألقاه وهو راض عني؟ أم ألقاه غاضب عني سبحانه وتعالى؟ Est-ce que je rencontre Allah alors qu'il est satisfait de moi ou en colère d'après moi؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا لهذا الحديث وسنفسره ونبين أسراره. هذا حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أكثر الصحابة رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، حين تموت يا عبد الله ينقطع عملك. Prophète عليه الصلاة والسلام nous enseigne. Et c'est un hadith qui est rapporté par Abu Huraira. Abu Huraira رضي الله عنه، c'est quelqu'un qui a rapporté beaucoup de hadith du Prophète عليه الصلاة والسلام. Qu'est-ce qu'il a dit le Prophète عليه الصلاة والسلام؟ Quand l'être humain décède, qu'est-ce qui se passe؟ Ses actions s'arrêtent. On est conscient que quand on va mourir, nos actions vont s'arrêter ou non. Sauf trois choses. Il a mis thalath. Ma hiya thalath ya Rasulallah? Sadaqatun jariya, une aumône continue. Ou ilmun yuntafa'u bih. Allahu Akbar. Une science utile. أو ولد صالح يدعو له، وان enfant pieux garçon fille qui invoque Allah pour lui. السؤال: هل نحن من أولئك الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة جارية، أم علم ينتفع به، أم ولد صالح يدعو له؟ Vous savez que la question qu'on doit se poser, ce hadith il est là, on l'a écouté peut-être plusieurs fois. Une seule question: est-ce que je suis parmi ces trois? Parce que si tu n'es pas parmi ces trois, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans ta tombe, tu peux avoir le châtiment de la tombe ou tu n'as pas de bonnes actions. Et ça, c'est un vrai problème. Ou walad salih yad'u la. كيف يدعو لك هذا الولد الصالح؟ Comment je peux avoir un enfant qui invoque Allah pour moi alors que je suis dans ma tombe؟ La première des choses يا عبد الله que tu dois faire، اول شيء وجع عليك ان تعمله يا عبد الله، ان تكون لك زوجة صالحة يا عبد الله. La première des choses c'est que tu dois choisir une femme pieuse. Pourquoi؟ Parce que malheureusement on n'a pas concrétisé les finalités du mariage. Un jour, j'ai posé une question à des jeunes dans une conférence: pourquoi on se marie? Écoutez les réponses. Il y en a un, il m'a dit: je me marie pour fonder un foyer. Il n'y a pas de problème. Il y en a un, il m'a dit: je me marie pour acheter une maison. D'accord. Il y en a un, il m'a dit: je me marie pour acheter un véhicule. Allah, il est inexistant dans leur question. Et il y en a un,
أتدرون لماذا تتزوج يا عبد الله في السابق بكون سماري أو نو Tu te maries, Abdallah, pour cheminer avec ton épouse vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Toi et ton épouse, vous entraînez. Pourquoi? Pour l'éducation de tes enfants, Abdallah. Pourquoi? Tes enfants, ils sont sous ta responsabilité et tu vas pouvoir demander, donner des comptes à Allah le jour du jugement dernier. On est conscient ou non? Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont des enfants. Jamais n'ont pensé à leur éducation. Jamais ils ont conseillé. Ton fils ou ta fille, Abdallah, il va venir le jour du mois dernier, ennemi contre toi. Ya Allah, mon père ne m'a pas enseigné. Ma mère ne m'a pas enseigné. Qu'est-ce qui se passe? Il se peut que tu aies fait à cause de ton enfant. Là, qu'est-ce qu'il y a encore? Ya ayyuhalladhina amanu, on vous les croyants. Qu'on anfusakum wa ahlikum nara. Épargnez-vous ainsi que votre descendance. Comment? Par une bonne éducation. Est-ce qu'on a fait le nécessaire vis-à-vis de nos enfants? Le malheureux aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai des enfants arrivés à un certain âge. Je les inscris dans l'école arabe. Et c'est bon. Wallahi la yakfi. Que tes enfants s'inscrivent dans une école arabe ou pour connaître la religion, voilà. C'est bien. Mais est-ce que tu as fait quelque chose après? Tu leur as enseigné pourquoi des gens font la prière. C'est quoi l'islam? C'est qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est qui Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé? Comment ton fils il peut suivre le chemin d'Allah s'il ne connaît pas? Comment ton fils il peut avoir le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si toi tu ne lui enseignes pas? Impossible. Comment tu veux que ton fils fasse la prière alors qu'il ne connaît même pas aucun des secrets de la prière? Impossible. Nos enfants sont sous les responsabilités. C'est une grande responsabilité. Tu peux éduquer tes enfants, il n'y a pas de problème. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? On fait les causes. Et jamais on demande à Allah qu'il nous facilite de les éduquer. هناك دعاء القرآن لماذا يقول الحق سبحانه وتعالى ربنا écoutez cette phrase هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إبراهيم عليه السلام son premier fils qui est إسماعيل il a eu l'âge de 86 ans qu'est-ce qu'il a dit إبراهيم ربي هب لي من الصالحين. Avant sa naissance, Ibrahim a demandé à Ya Allah, donne-moi une descendance pieuse. Tu fais les causes, tu demandes l'aide d'Allah. Nous, malheureusement, si on fait les causes, on ne demande pas l'aide d'Allah. Ou on demande l'aide d'Allah, on ne fait pas les causes. C'est impossible, Ya Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كان يدعو الله ويأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. Il n'y a pas de miracle. Tu fais les causes. Toujours l'aide d'Allah. Parce que c'est lui qui va te faciliter, Abdallah. Et si aujourd'hui on a un problème avec nos enfants, c'est dû à ça. Soit on fait une et on ne fait pas l'autre, ou on fait pas les deux. Impossible. Chacun d'entre vous. Tant qu'il n'est pas trop tard, je dois faire des choix envers mes enfants. Je dois dialoguer avec eux, leur montrer le bien et le mal. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté, malheureusement, il ne faut pas d'éducation. Malheureusement, et après on s'est dit, il y a le racisme. C'est comment nos enfants, Yahbab à la solidaire? C'est quoi l'image qu'ils ont donnée? Illa ma rahimallah. Et après on se plaint. Fais le nécessaire et attends les demandes d'Allah. C'est pas quelque chose de facile. Et tu vas être jugé le jour du dernier par rapport à ça. Faisons l'effort, Yahbab al-Rasulillah. Tu as une difficulté de monde, subhanallah. Et on doit apprendre à éduquer nos enfants selon ce que le prophète nous a enseigné, alayhi salatu wa salam. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement.